Chers téléspectateurs, bonjour. Merci pour votre fidélité à Salle 21 TV, la télévision du 21e siècle. Bienvenue dans votre émission Salle. Comme vous le savez, cette émission traite l'actualité sociopolitique. Je reçois sur ce plateau pour vous Mademoiselle Kadiatou Kouboura Bardé, journaliste, initiatrice du projet Week-end Lecture. Avec elle, on s'intéresse non seulement à son projet, mais aussi à l'autonomisation de la femme et le leadership féminin. Une fois encore, bienvenue à toutes et à tous. Mademoiselle Kadiatou Kouboura Bardé, bonjour. Bonjour Saïd, bonjour aux téléspectateurs de Star 21. Bienvenue. Merci. Alors, comme on l'a annoncé à l'entame de cette émission, vous êtes l'initiatrice du projet Week-end Lecture. Viens nous présenter votre projet. Merci Saïd de m'inviter sur ce plateau pour encore de nouveau parler de ce petit projet qui vient de naître il y a tout juste 2 mois, que nous avons appelé Week-end Lecture. En fait, Week-end Lecture aujourd'hui, c'est un espace ouvert aux passionnés de la lecture et même des personnes, même à ces personnes-là qui ont aujourd'hui du mal à s'adonner à la lecture. En fait, Week-end Lecture vient aujourd'hui répondre à une question qui se pose depuis très longtemps. Pourquoi les jeunes Guinéens ne lisent pas? Ce n'est pas une question que je me pose personnellement. C'est un constat que nous tous nous faisons, malheureusement, pour le cas guinéen, c'est-à-dire que les gens ont abandonné la lecture. Et aujourd'hui, puisque c'est un phénomène qui se pose et que nous ne pouvons pas tout le temps être des observateurs, nous nous sommes dit qu'il fallait trouver une petite solution. Et notre petite solution à nous, c'était justement d'initier ces lectures, ces séances lecture en groupe où les gens se retrouvent pendant 2 heures avec pour principe pas de téléphone. Parce que je signale aussi qu'aujourd'hui, enfin, si les gens ne s'adonnent pas à la lecture, c'est parce que justement, il y a le téléphone qui est là. Le téléphone est devenu le facteur fondamental. Il y a d'autres arguments qui viennent auprès du téléphone, mais aujourd'hui, il est constaté que le téléphone est le facteur fondamental qui nous empêche d'être au contact du livre physique. Oui. Alors nous, on s'est dit que c'est bien possible de faire des lectures sur le téléphone. On peut avoir nos livres sur les téléphones, mais sauf que pour le cas spécifique de la Guinée, les gens ne vont pas sur les réseaux sociaux, les gens n'utilisent pas l'Internet, les gens n'utilisent pas les smartphones pour faire des lectures utiles. Alors, si on n'est pas capable de faire des lectures utiles sur les téléphones, il ne faudrait donc pas abandonner le livre. C'est pourquoi nous nous sommes dit qu'on ne peut pas rester toujours des observateurs et être là à entendre tout le temps qu'on dise les jeunes ne lisent pas, les jeunes ne lisent pas, les Guinéens ne lisent pas. Nous, on s'est dit qu'il fallait qu'on initie ces genres justement de séances lecture pour amener les gens à épouser le livre. Oui. Parce qu'une fois encore, c'est un constat que nous faisons sur le terrain, l'abandon de la lecture se répercute sur le niveau. Moi, je prends par exemple, je me dis, les élèves, les diplômés, les étudiants. Je les mets tous dans un sac pour les appeler des intellectuels. Et donc, le niveau de l'intellectuel guinéen laisse à désirer aujourd'hui. Puisque rien ne s'acquiert sans la lecture, oui. Donc il faut forcément qu'on s'adonne à la lecture. Voilà notre petite solution aujourd'hui qu'on a réussi à mettre en place et pour le moment qui est en train de faire effet sur les gens qui justement, viennent à ces séances lecture. Après le lancement officiel, vous l'avez mentionné il y a 2 mois. Que bon, lancement officiel, d'accord. Existe, hein, ça fait 2 mois que l'initiative existe. Oui. Quel constat avez-vous fait sur le terrain? Ah, le constat, c'est que justement, Week-end Lecture, ça avait pris du temps, même si c'était une réflexion qu'on était en train de voir, comment est-ce qu'il fallait matérialiser cela, comment est-ce qu'il fallait mettre ça en place pour que ça soit quelque chose de pérenne. Ouais. Mais c'est venu aujourd'hui et les gens sont en train de venir. Hein. Ce sont des séances lecture mobiles, donc qui ne se tiennent pas dans un seul quartier. Ça ne se tient pas dans un seul endroit. Ouais. On avait commencé nos séances à Kaloum, où nous avons tenu 4 séances dans la commune de Kaloum, précisément au musée de Sandervalia. Oui. Nous avons tenu là 4 séances et de là, nous sommes venus dans la commune de Dixine pour tenir 4 autres séances. En ce moment, nous sommes dans la commune de Ratoma où nous comptons tenir également 4 séances. En fait, l'objectif, c'est de rapprocher Week-end Lecture au lecteur.
Puisque les gens, peut-être, on pourrait avoir l'argument, c'est distant, on ne peut pas quitter la banlieue pour se retrouver à ces séances lecture parce qu'il y a la circulation qui peut être le facteur qui va nous empêcher de nous y rendre. Bien sûr. Mais plus nous essayons de rapprocher ces séances lecture-là aux gens, plus les gens viennent. Donc, ce qui fait qu'aujourd'hui, depuis le début des séances, le nombre de participants ne fait que progresser. Très Au important. début, nous étions avec 9 personnes. J'avoue que la dernière séance, nous avons tenu avec plus de 60 personnes. Et ces gens viennent, s'asseyent, peignent leurs livres, se déconnectent du téléphone, parce que c'est ça le principe fondamental. Pendant les 2 heures de lecture, pas de téléphone. Donc ces gens viennent, prennent le livre, se déconnectent de leur téléphone, s'asseyent et font leur lecture pendant 2 heures. Et je me dis, ce sont des lectures instructive que ces gens-là sont en train de faire aujourd'hui. Très important. Alors, vous l'avez mentionné, c'est pour tous les Guinéens, afin que tout le monde s'intéresse aux livres, Bien sûr. mais en particulier aux élèves, puisque ce sont eux qui sont encore sur le banc, ils ont besoin d'approfondir les connaissances. Est-ce qu'aujourd'hui, vous avez déjà un plan de sensibilisation au niveau des établissements scolaires publics et privés, afin d'attirer l'attention de l'élève guinéen sur l'initiative? Bon, je ne sais pas, peut-être ce que nous faisons sur les réseaux sociaux, on va appeler ça une sensibilisation, Oui. mais en sorte, c'est-à-dire que nous, l'idée de sensibilisation que nous voyons le plus souvent autour des activités, ce n'est pas ce que nous faisons, c'est-à-dire aller dans un établissement, informer les gens que nous avons des séances lecture. Non, ce n'est pas ce que nous faisons en réalité. Puisque tout le monde se retrouve sur les réseaux sociaux, c'est de là où nous faisons nos communications. Oui. Et la communication n'est pas une sensibilisation en quelque sorte, mais c'est d'inviter plutôt les gens à venir et de leur peut-être dégager en quelques phrases l'importance pour nous de se ram... enfin, d'essayer de renouer ce contact avec le livre. Donc, nos communications pour mobiliser les gens, nous les faisons sur les réseaux sociaux. Quant à une campagne de sensibilisation pour aller dans une école ou dans une autre, c'est peut-être une autre perspective à laquelle nous sommes en train de réfléchir. Mais nous, l'objectif, c'est d'amener tout le monde. Et Tout le monde puisque tout le sans monde ne... exception. Exactement. Et puisque tout le monde ne se retrouve pas qu'à l'école, tout le monde ne se retrouve pas que dans les universités Ou dans les ou bureaux. dans les bureaux. Oui. Mais par contre, un grand nombre se retrouve sur les réseaux sociaux. Oui. Donc, nous utilisons ces réseaux sociaux-là pour faire comprendre aux gens que désormais en Guinée, il y a des séances lecture qui existent, des séances lecture d'animation, dans lesquelles vous pouvez vous déconnecter de votre téléphone et faire une lecture pendant 2 heures. Donc, se déconnecter du monde virtuel. Nous essayons de faire comprendre aux gens que cela existe désormais et que quand vous venez à ces séances lecture, vous ne pourrez partir que satisfait. Alors aujourd'hui, l'initiative est venue d'où? Puisque est-ce que c'est du fait que vous avez fait un constat du fait que le Guinéen ne s'intéresse pas à la lecture, pourtant le livre aussi coûte un peu cher, hein, selon Ah. des observations. Vous ne pensez pas que ça soit l'un des facteurs qui empêche le Guinéen à s'intéresser à la lecture? C'est plutôt la volonté, hein. Un manque de volonté. C'est plutôt la volonté qui empêche les gens de lire. Par exemple, je vous dis que sur les réseaux sociaux, sur l'Internet, vous pouvez télécharger un livre qui ne vous coûte pas plus que peut-être un livre que vous pouvez acheter à 200 000. Vous pouvez télécharger votre livre qui peut vous coûter moins cher que peut-être si c'est un livre papier ou un livre physique que vous essayez d'acheter. Mais le constat se pose que pour le cas spécifique de la Guinée, les gens n'ont pas besoin, les gens ont un autre objectif en allant sur les réseaux sociaux pour faire leur lecture, pour faire leur... enfin, autre chose au-delà de la lecture. Donc c'est pourquoi nous nous sommes dit, le prix d'un livre ne peut pas être l'argument pour ne pas que les gens lisent. Lise, oui. Parce qu'il y a des journaux, c'est une lecture. Lorsque vous achetez un journal pour lire, c'est une lecture que vous faites, mais ça ne se fait pas. D'ailleurs, la presse écrite est en voie de disparition Bien parce que sûr. les gens ne lisent pas. Il y a des livres de contes qui coûtent moins cher que vous pouvez acheter si vous ne lisez pas, mais vous pouvez acheter pour vos enfants et vous les imposer. Parce que justement, ce qui se passe en Guinée, c'est que il y a des activités littéraires qui existent en Guinée. Oui. Il y a des bibliothèques, Oui. il y a des points de lecture qui ont été construits à l'occasion de De Conakry, Conakry, capitale capitale mondiale du livre, mondiale est-ce du que vous le livre. rappelez? Oui. Mais c'est qu'il n'y a pas de... Bon, peut-être qu'ils ont des techniques d'animation, mais à mon avis, ce sont des techniques qui ne sont pas Mais élargies. aujourd'hui, Kadiatou Koubouna, comment travaillez-vous en collaboration avec les maisons d'édition? Pour le Est-ce que vous moment... avez la tâche est difficile ou quelle est la nature du contact avec ces différentes maisons d'édition qui existent en Guinée? J'avoue que puisque ça fait tout juste 2 mois Oui.
que ces séances lectures sont initiées. Nous ne sommes pas allés en partenariat avec une maison d'édition, encore moins avec une bibliothèque. Comment alors mobilisez-vous les fonds pour les pas, livres? Il n'y a pas, en réalité, il n'y a pas de fonds à mobiliser. En fait, c'est une volonté qu'on a essayé de matérialiser. C'est-à-dire que lorsque nous invitons les gens à venir assister aux séances lecture, vous savez qu'il y a des gens qui achètent des livres mais n'ont pas le temps de le lire. Bien sûr. Donc nous leur faisons cette proposition. Oui. Nous disons par exemple, vous avez votre livre à la maison, vous n'avez pas le temps de lire, ou que même si vous essayez d'ouvrir ce livre tout de suite, vous êtes interrompu par le téléphone. Parce qu'aujourd'hui, chacun de nous a un téléphone. Ce qui fait que si vous vous sentez être interrompu par quoi que ce soit, chez vous à la maison, prenez votre livre. Considérez les week-ends lecture comme un espace, comme un terrain. Donc, lecture, se débarrasser complètement du téléphone. Se débarrasser complètement de son téléphone. Oui. Donc, si par exemple dans votre quartier, vous savez qu'il y a un terrain, donc les gens, quand ils veulent jouer au football, enfin faire un sport, ils viennent sur ce terrain. Bien sûr. Les séances, les week-ends lecture sont comme ça en quelque sorte. Ce n'est pas une bibliothèque où vous pouvez, où on vous impose, on vous dit voilà un livre. C'est celui-là que vous devez lire, non? Vous avez votre livre, vous avez un goût pour une catégorie de lecture, vous faites le choix. Venez juste, c'est un espace ouvert où vous pouvez faire votre lecture. Donc c'est en quelque sorte comme ça, les week-ends lecture sont un espace où les gens peuvent venir, une sorte de retraite, vous faites votre lecture de 2 heures. Oui. Alors aujourd'hui, est-ce qu'il y a des conditions, des critères remplis pour être membre justement de ce réseau ou de... pour adhérer au projet. D'abord, pour être très précise, ce n'est pas un réseau, ce n'est pas un club. Donc, il n'y a pas une équipe standard ou une équipe restreinte pour être membre de Week-end Lecture. Vous savez, aujourd'hui, vous avez un samedi, vous choisissez. Vous vous dites, au-delà du loisir que je fais, aller sur plage, aller en boîte de nuit, aller au restaurant, au-delà de ce loisir, vous avez envie de faire autre chose. Oui. Vous choisissez la lecture, mais vous vous demandez où ça se passe. Venez au week-end lecture. Donc, le critère, c'est d'abord se renseigner où nous tenons nos séances parce que c'est mobile. Et vous venez, vous vous asseyez. En fait, si vous avez l'information que nous tenons des séances, ici dans un endroit, vous venez avec votre livre ou vous pouvez trouver des livres sur place. Ça aussi, c'est une possibilité. Parce qu'au départ, quand nous avons commencé ces séances, nous sommes venus avec nos propres livres. Moi, personnellement, j'ai commencé par mes propres livres que j'avais à la maison, ce que j'ai proposé aux participants. Et au fur et à mesure que ça évoluait, des amis sont venus avec leurs livres et c'est comme ça. Puisque je fais la proposition, venez avec votre livre ou vous pouvez trouver des livres sur place. C'est ce que nous essayons de faire au week-end lecture. Donc, il n'y a pas une adhésion spéciale ou une adhésion spécifique pour venir au week-end lecture. La personne peut juste demander ou peut juste se renseigner où les séances lecture se tiennent. Vous venez avec votre livre si vous en avez ou vous venez carrément trouver des livres sur place à lire. L'essentiel, que vous prenez votre week-end et que vous le consacrez juste 2 heures à la lecture. Très important. Alors aujourd'hui, est-ce que vous rencontrez des difficultés concernant votre projet, l'initiative? En effet. Et des difficultés, c'est par rapport justement au livre. J'avoue que des gens sont en train de nous faire des demandes. Et par exemple, on nous dit, nous avons envie de lire un tel livre d'un tel auteur. Nous essayons de chercher ça. Sauf que nous, nos moyens ne nous permettent pas d'acheter un livre pour un lecteur. Justement, puisque ça demande aussi de gros moyens financiers. Exactement. Nous n'achetons pas un livre pour un lecteur. Mais quand le lecteur, par exemple, essaie de nous dire « j'ai envie de lire ça », nous nous mettons à la recherche de ce livre pour la personne. Ce qui fait que ça peut prendre toute une semaine. Donc, il y a des lecteurs, par exemple, qui nous font ces demandes-là, qui attendent. C'est quand ils ont ce livre-là qu'ils auront le temps ou qu'ils se décideront à venir au week-end lecture. Oui. Donc, en quelque sorte, il y a un problème de livre qui se pose. Ce n'est pas suffisant ce que nous avons. Oui. Parce que, comme je le dis, ce sont mes livres à moi et des amis. Et aujourd'hui, une bibliothèque... Des personnes de bonne volonté qui veulent appuyer l'initiative. Exactement. Qui prêtent leurs livres en réalité. Ils ne nous donnent pas. Ils prêtent leurs livres pour un temps. Donc, quand la personne a besoin de récupérer ses livres, la personne vient reprendre ses livres. Donc, aujourd'hui, comment on va appeler la difficulté majeure que nous avons aujourd'hui, ce sont ces livres-là qui ne sont pas suffisants. Ce que nous avons, on a des livres, mais ce n'est pas suffisant. Il y a quelques jours, le CIRD a décidé de nous accompagner.
C'est un centre de recherche, de documentation. Mais comme vous l'avez compris, un centre de recherche ne repose pas forcément à un goût de certains lecteurs. Donc, il y a des lecteurs qui, peut-être, il y en a qui sont des grands lecteurs, qui ont lu un nombre d'écrivains, qui ont envie de lire la suite de certains auteurs ou de certains livres qu'ils ont lus auparavant. Voilà quelques. Enfin, la difficulté majeure à laquelle nous. L'obtention des livres. Des livres surtout. Très important. Alors, nous marquons une courte pause. On revient sur ce plateau pour continuer, bien sûr, le débat avec un autre invité. Vous le savez très bien. Il s'agit de Mademoiselle Kadia Toukoubra Badé. Elle est journaliste initiatrice du projet Weekend Lerti. Nous marquons une courte pause. On revient dans un instant. La vision. Star 21 TV ambitionne d'être le reflet des sociétés guinéennes et africaines. L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle, avec comme invité Mademoiselle Kadia Toukoubra Badé, les journalistes, initiatrice du projet Weekend Lecture. À présent, on va s'intéresser à au point très important. Il s'agit de l'autonomisation de la femme. Kadia Toukoubra Badé, vous relevez de cette couche. Qu'en pensez-vous de l'autonomisation de la femme guinéenne? Je pense que c'est un débat qui se fait tout le temps dans la société. Et je pense que c'est normal que cette question se pose tout le temps. Ouais. Vous savez, on est composé d'hommes. Oui. Et de femmes. Nous allons accorder la priorité au direct. On a déjà au bout de fil Asma Oubari, présidente de l'Association des professionnels africaines de la communication. Oui, allô, madame Diallo, Asma Oubari, bonjour. Bonjour. Voilà, merci d'avoir accepté notre invitation. Il faut rappeler que vous êtes la présidente de l'Association des professionnels africains de la communication. On s'intéresse ce matin à l'autonomisation de la femme guinéenne. En tant que responsable d'une structure féminine, qu'en pensez-vous de l'autonomisation de la femme guinéenne? Qu'est-ce que j'en pense? Ça, c'est assez vaste. Comme vous savez, nous vivons dans une société où il y a plusieurs événements qui se passent en ce moment dans la société impliquant les hommes et les femmes. Mmh. Et il y a également cette question de complexe qu'il y a derrière. C'est-à-dire que pour l'homme, quand on parle d'autonomisation de la femme, il a sa perception. Et la femme également, quand on parle de son autonomisation, elle a sa propre perception. Et à mon avis, tant qu'on ne parviendra pas à mettre les deux d'accord sur une même perception, il va un peu être compliqué. Un exemple, vous verrez lorsque vous parlerez d'une femme qui a un travail, qui a qui a un revenu et qui se suffit, largement, vous verrez déjà des hommes prendre de la distance envers cette femme, comme pour dire que, attention, c'est là, elle a tout ce qu'il lui faut. Donc, si tu le poses, par exemple, les questions de mariage, et risque de s'asseoir sur sa tête. Ou alors, lorsque de l'autre côté, vous verrez la femme, quand elle aura tout ceci pour elle, elle va penser que désormais, elle n'a pas besoin de l'homme, etc. Donc, c'est pour vous dire que la perception d'abord sur cette question d'autonomisation, il faudrait qu'on soit d'accord sur sa définition et que les uns comprennent qu'il s'agit d'une question de complémentarité. Que dis-je, même de développement, parce que lorsque la femme elle a une certaine autonomie, une indépendance financière, l'exemple dans un couple, vous verrez que ça va être un foyer beaucoup plus développé, beaucoup plus épanoui, que lorsque c'est simplement le monsieur qui fait tout à la maison en termes de finances. Donc, s'attaquer au jeu, permettre l'autonomisation de la femme, c'est aller vers le développement d'une famille, d'une communauté, et finalement de tout un pays. C'est de cela qu'il s'agit aujourd'hui. Mais ce n'est pas parcours de baguette magique. Pour aller vers l'autonomisation d'une femme, c'est un procédé. Il faut d'abord commencer par accepter au niveau mental qu'il y ait, moi, ce que j'appelle souvent décoloniser les esprits. Prenez l'exemple d'un homme qui a un enfant, une fille, je vais dire. Il va tout donner pour permettre que sa fille ait une bonne éducation.
Par contre, il a sa femme à côté, mais il se permet de faire certaines choses qui empêchent la femme d'évoluer. Oui. Donc, il y a ce paradoxe-là. Il faudrait que le travail, à mon avis, il est beaucoup plus mental que d'autres mécanismes. Parce qu'aujourd'hui, au niveau des gouvernements, que ce soit ici en Guinée ou au niveau régional, vous verrez qu'il y a eu l'adoption de nombre de textes juridiques qui favorisent l'émancipation de la femme. Mais en réalité, ce n'est pas toujours le cas sur le terrain. Ok. Alors, c'est quoi le problème? Donc, ça veut dire que c'est encore la société qui n'arrive pas à se départir de certains préjugés et des stéréotypes qui entourent le rôle social des hommes et des femmes. Alors, Madame Diallo, peut-être une dernière question. À votre avis aujourd'hui, qu'est-ce qu'il faut concrètement pour inverser ces tendances en République de Guinée? Je venais de dire qu'il faut d'abord commencer par décoloniser les esprits. Oui. Que les hommes et les femmes, chacun comprenne en ce qui le concerne que les questions d'autonomisation des femmes n'est pas une question de rivalité ou de concurrence. Les femmes ne sont pas les concurrentes des hommes et inversement, c'est une question de complémentarité, mais aussi une question de développement. Vous voyez juste les pays où les femmes ont une bonne place, je vais dire, ce sont des pays développés, par exemple en Occident, les pays scandinaves, Norvège, etc. En Afrique, si vous voyez le Sénégal ou bien le Rwanda, ce sont des pays où la place de la femme est importante et elle est en fait à sa place. Donc il y a un certain développement de niveau de vie, de mentalité, etc. Oui. Donc pour moi, il faut commencer par décoloniser les esprits et de l'autre côté, il faudrait encourager maintenant les femmes à plus en plus s'éduquer, à s'instruire et surtout à exercer quelque chose, un métier qui leur permettrait de prendre toute leur place au sein de la société et surtout de l'autre côté avoir cette reconnaissance envers les femmes. Elles abattent, je sais, un travail énorme dans l'informel, on ne le reconnaît pas souvent, donc il y a cette question de reconnaissance également qu'il faut mettre de l'avant. Oui. Alors, peut-être une dernière question, Madame Diallo Asmaou-Barry. Il faut rappeler que vous êtes la présidente de l'Association des professionnels africains de la communication. Si on vous demandait aujourd'hui concrètement de faire un plaidoyer ou des recommandations auprès des autorités guinéennes, est-ce qu'on peut avoir une idée sur vos attentes? Vous dites des recommandations? Oui. Ça revient à ce que je venais de dire tout à l'heure. Je recommande une meilleure éducation des filles et des femmes, une instruction, mais aussi de faire en sorte qu'elles puissent exercer un travail, un métier qui puisse favoriser leur épanouissement. Et ça peut être au niveau de la famille, parce que nous sommes dans une société patriarcale où on est souvent sous les yeux d'un père ou d'un mari ou d'un frère. Donc, cela accepte d'abord cette situation. Et deuxièmement, au niveau peut-être gouvernemental, favoriser l'émancipation de la femme à travers l'entrepreneuriat. On a vu ici des femmes qui essayent d'entreprendre, mais dans les conditions même d'exercice de leur entreprise, il y a des problèmes de développement, etc. C'est au niveau des banques, l'accès au crédit, etc., à la terre. Donc, il y a toutes ces questions-là qui se posent. Donc, au gouvernement de favoriser les conditions d'entrepreneuriat des femmes ou en tout cas leur exercice de travail. Et d'ailleurs, juste pour une entre parenthèse, n'oubliez pas que la Guinée fait partie des 18 pays au monde où encore la femme doit avoir l'autorisation de son mari pour travailler. Donc, oui, il faudrait commencer par corriger cela. D'abord, donc, créer des conditions d'exercice d'une profession par les femmes. Et je voudrais conclure par cela. Ce oui. matin, il y a eu la publication du rapport du Forum économique mondial qui dit qu'à ce rythme-là, si on continue à ce rythme-là, il nous faudrait 2 siècles, c'est-à-dire 200 ans, pour que l'homme soit égal à la femme en termes de parité, de salaire, etc. Donc, c'est pour vous dire que le défi est énorme. Ok. Madame Diallo Asmaou-Barry, présidente de l'Association des professionnels africains de la communication, merci d'avoir répondu à nos questions ce matin. Merci à vous, au revoir. Voilà. On revient sur ce plateau avec, bien sûr, notre invité, Kadia Toukoubouna Bardé, journaliste,
initiatrice du projet Week-end Lecture. Mademoiselle, vous venez de suivre la réaction de Mme Diallo Asmaou Barry, qui est la présidente de l'Association des professionnels africains de la communication. Est-ce que vous avez un point de vue avancé par rapport à sa réaction sur l'autonomisation de la femme? Pour aller plus en détail, parce que ce qu'elle a dit, ce sont des réalités aujourd'hui. Que, oui. On n'a même pas besoin d'aller plus loin pour le constater, c'est sous nos nez, nous vivons cela au quotidien. C'est-à-dire, pour aller plus en détail, c'est qu'il y a cet orgueil un tout petit peu chez les hommes que... Tu ne peux pas parler d'égalité, tu ne peux pas parler de parité. Tout de suite, il y a des arguments qui sortent. Et elle l'a dit dans son intervention, oui. C'est que ces gens-là peuvent, ces hommes-là plutôt, ils peuvent se trouver les moyens pour scolariser leurs filles. Ils peuvent trouver des moyens pour essayer de faire comprendre à la fille. Aujourd'hui, en fait, je parle de 2019, hein, ils peuvent montrer à la fille que tu peux aller plus loin. Par contre, il y a leur femme qui est à la maison, à qui on ne peut même pas permettre, ne serait-ce que trouver une petite table, la déposer devant la cour et se permettre de faire son petit commerce. Vous ne pensez pas que ça soit aussi un problème de jalousie dans les foyers que Je ne mets pas cela dans un cadre de jalousie. Vous savez, on ne peut pas prétendre pouvoir tout assumer. On va aller par exemple dans le cas des foyers, oui. Parce que l'autonomisation, ça peut aussi venir de là. Justement. Dans le cas des foyers, c'est-à-dire que l'homme peut penser, parce que c'est lui l'homme, donc c'est à lui qu'habilité à donner de la dépense. Oui. Ça, c'est un fait. Et ça, c'est un fait qu'on lui oui, accorde. Qui est quotidien, oui. D'accord. Oui. Mais est-ce que pour s'acquitter de tous les devoirs de la maison, ça revient à l'homme? Non. Il y a la femme à qui elle peut assumer certains devoirs ou certaines tâches au-delà du ménage. C'est-à-dire l'aider, par exemple, dans la dépense quotidienne. Oui. Ce n'est pas un crime, ce n'est pas quelque chose d'anormal. Parce que vous entendez tout de suite des hommes dire « Je suis l'homme, c'est moi qui vais donner la dépense et le jour où tu n'en auras pas. » Pourtant, tu as une femme... Madame doit venir au secours, vous avez signé à la mairie pour ça. Exactement, elle doit te venir au secours. Mais c'est si justement l'homme lui avait permis d'avoir ce moyen pour venir au secours de son mari. Donc je pense que c'est aussi fondamental pour l'homme que pour la femme, d'avoir une femme autonome dans sa vie. Mais est-ce que Kadiatou Koubouna Badi, voulant aussi trop autonomiser la femme, vous ne pensez pas qu'il y ait des conséquences de l'impact, puisqu'on a l'impression que dans certains foyers, là où des dames sont vraiment autonomes, l'homme a peu de pouvoir. Vous savez, oui. C'est une question personnelle que vous êtes en train de faire un constat général. Ah bon? C'est-à-dire que le caractère d'une personne ne peut pas vous permettre de juger toutes les autres femmes au même niveau. C'est bien vrai qu'il y en a certains qui ont un caractère que peut-être ça peut effrayer un homme de dire je freine l'émancipation ou l'autonomisation de la femme que j'ai épousée à la maison. Oui. Ça, c'est un caractère personnel. Mais est-ce que par le comportement de votre femme, par le comportement de la femme que vous connaissez, par le comportement d'une seule personne que vous avez vue dans la société ou dans le cours de votre journée, vous pouvez juger toutes les femmes au regard de celles-ci? Je me dis non, oui. c'est pas ce qui doit être fait. Il y en a qui n'ont pas le même comportement, qui n'ont pas le même caractère. Donc je pense qu'encore une fois, c'est plus fondamental et c'est plus bénéfique pour l'homme que pour la femme de connaître qu'il y a des femmes autonomes dans la société. Oui. Parce que justement, il ne faut jamais nier l'effort de ces femmes-là. L'éducation de l'enfant, par exemple, oui. On dit que c'est la femme qui s'en occupe. Et vous connaissez que quand l'éducation échoue, l'éducation d'un enfant échoue dans la société, vous et moi, nous savons les dangers de cela. Les conséquences, alors, bien sûr. Si cette femme, par exemple, elle n'a pas eu la chance d'aller à l'école, mais elle se retrouve dans un foyer, oui. Et que son mari ne prenne pas le soin de l'aider à ce qu'elle soit émancipée, à ce qu'elle soit autonome dans sa vie. Dites-moi comment est-ce qu'elle pourrait assurer l'éducation des enfants. Oui. Ça va être compliqué, oui. Parce que l'éducation, c'est à elle qu'on a accroché cela. Donc, il faut qu'elle soit à la hauteur, il faut qu'elles aient toutes les techniques, il faut qu'elles aient tous les moyens pour pouvoir justement s'acquitter de ce devoir fondamental, crucial, d'éduquer les enfants. Donc, je pense que l'autonomisation des femmes, en fait, la vision doit être au-delà de ce qu'on peut considérer comme un caractère féminin. Oui. La vision doit être beaucoup plus avancée. Le caractère d'une seule personne ne peut pas permettre à tout le monde de juger les femmes, toutes les femmes au même niveau. Donc, on doit dépasser ce cap. Asmaou l'a souligné,
un dernier rapport qui dit qu'il va nous falloir 2 siècles. Vous vous imaginez, oui. 2 siècles, nous ne serons plus là. Oui. Donc, ce sera une autre génération. Ça veut dire que si nous n'essayons pas de changer nos comportements, les générations futures vont emprunter nos pas et ça va être quelque chose de perpétuel. Malheureusement, un comportement qui ne doit plus exister à ce niveau. Nous marquons une courte pause. On revient dans un instant pour justement continuer les débats avec, bien sûr, notre invité. Il s'agit de Kadiatou Kouburabadé, journaliste, initiatrice du projet Weekend Lecture. On revient dans un instant. La vision. Star 21 TV ambitionne d'être le reflet des sociétés guinéennes et africaines. L'émission Starcom se poursuit sur ce plateau de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle, avec bien sûr notre invité, je le rappelle. Il s'agit de Kadiatou Kouburabadé, journaliste. Elle est initiatrice du projet Weekend Lecture. Alors, Kadiatou, nous tendons presque vers la fin de cette émission. Est-ce que par rapport d'abord au projet Weekend Lecture, avez-vous un message particulier à lancer à l'ensemble du peuple de Guinée, notamment au public lecteur? D'abord, je dois préciser un pas qu'aujourd'hui, les week-ends lectures sont en train de prendre du terrain, sont en train de gagner du terrain, parce que nous nous retrouvons à l'intérieur du pays en moins de 2 mois. Vous voulez dire par là que déjà, des représentations à l'intérieur du pays. Ce que moi j'appelle des relais week-ends lectures existent maintenant à Labé, à Zérékoré, à Boké, enfin dans 10 régions, dans 10 villes de la Guinée. Déjà, nous sommes, Weekend Lecture a ses relais. Donc, c'est pour vous dire qu'on n'a pas eu besoin de vraiment convaincre les gens pour lire. C'est parce que c'est crucial pour ces gens-là. C'est crucial que nous nous formons. J'aime souvent à le dire, pour le cas spécifique de la jeunesse, par exemple, oui. On a besoin de se mettre en valeur. Et cela ne peut pas passer sans le livre. On ne peut pas rester, on ne lit pas. Et on prétend se former. Ce n'est pas possible. C'est compliqué, c'est contradictoire. Donc, il faut qu'on se mette à la lecture. Donc, il faut qu'on se mette en valeur. Je pense que les week-ends lecture, je ne cesserai de le dire, c'est un espace ouvert à tout le monde, oui. Où les gens peuvent se récréer. C'est en quelque sorte ça, que les gens se sentent comme un espace où c'est un espace de loisir. Vu l'importance justement de ce projet, est-ce que vous avez-vous déjà pensé à contacter certains partenaires afin vraiment de vous accompagner pour pérenniser l'initiative en Guinée? Des partenaires, oui, nous y avons pensé. Nous y avons pensé de contacter ces partenaires, mais ce que nous visons beaucoup plus, c'est notre objectif principal, de redonner le goût de la lecture aux Guinéens, oui. De tout âge, de toute catégorie, de toute sensibilité. Donc, c'est de redonner le goût à la lecture. Je pense que ça ne demande pas de gros moyens, oui. Ça ne demande pas des arguments. Il faut qu'on se mette en valeur. Donc, il faut qu'on lise. Je pense que de cette façon-là, déjà à 2 mois, des régions, on a des relais. C'est oui. Pour vous dire que nous-mêmes, nous avons senti l'importance de la lecture. Oui. Nous-mêmes, nous nous sommes dit que c'était fondamental que ces séances lecture-là existent. Alors, côté autonomisation de la femme, est-ce qu'il y avait un message aux autorités guinéennes? Nous parlons de la parité hommes et femmes, mais on a l'impression que c'est de simples mots. C'est le respect. On n'a pas le respect des lois qui existent. Ça se dit, hein, chez nous, les lois existent, mais fort malheureusement, ces lois ne sont pas respectées. Si les lois qui protègent la femme sont respectées. Je pense que l'autonomisation de la femme, on cessera d'ailleurs d'en parler parce oui. Que ça sera une réalité. Oui. On cessera d'en faire des débats télé, on cessera d'en faire des débats radio. Ça sera une réalité sur le terrain. Et si les femmes sont autonomes, si elles sont émancipées, si elles ont droit aux formations comme les autres couches, oui. Je pense que on n'aura même plus besoin de se casser les têtes pour en faire des débats. Qui est... celui de l'action des affaires sociales. Si vous voyez sociale, qu'il y a des activités spécifiques pour les femmes, oui. Il y a des débats spécifiques pour les femmes, oui. Il y a des actions spécifiques pour les femmes, il y a tout le temps cette catégorie qu'on essaye de mettre,
c'est parce qu'il y a un problème qui se pose. Si le problème est résolu, je crois que même ce ministère n'aura pas lieu d'être. Oui. Parce que le problème sera résolu. Si on a on n'a pas un ministère pour les hommes. C'est parce que justement, il n'y a pas de problème. Le grand défi reste à quoi, Olivier ? Il n'y a pas de problème autour des hommes. C'est pour les femmes, justement. Et je vais vous pointer du doigt. Parce que c'est ça, ah bon, en fait. Oui. Je vais vous pointer du doigt. Je ne dis pas que vous êtes l'État. Non. Mais il y a une partie de rôle qui se joue dans les maisons. Oui. Ça, c'est les papas, c'est les maris, c'est les grands frères, c'est les petits frères. Il y a un rôle qui se joue en famille. Donc, si personne ne s'acquitte de son devoir, je pense qu'on va encore et encore parler de ce problème d'autonomisation. Et un problème, à mon avis, qui doit arrêter. Oui, et bientôt aussi, les élections législatives, nous sommes déjà à la veille. Il y a, disons, une forte représentation de la couche féminine au sein de ces partis politiques. Mais malheureusement, au niveau des instances de prise de décision, elles sont peu. Encore une fois, de ce côté, il y a, pour le cas spécifique des partis politiques, oui, à mon avis, c'est l'audace qui manque à ces femmes qui existent. Le complexe. Je vais vous emprunter le terme, peut-être le complexe, mais surtout l'audace. Oser aller dans le débat, oui, oser parler, oser prendre des décisions, s'affirmer. Si cela manque, je pense que les partis politiques ont des principes. Si tu ne te démarques pas, tu ne peux pas être vu comme une personne éligible, comme une personne sur qui on peut porter une confiance pour peut-être confier une certaine responsabilité. Ça, ce sont les règles des partis politiques. Donc, pour les femmes qui existent dans ces partis politiques, je pense que ce sont elles-mêmes qui doivent jouer le rôle. À mon avis, dans le cadre intellectuel, ce sont nous-mêmes les femmes. Quand je parle des rôles qui doivent être joués, oui, c'est purement sociétal. En famille, c'est purement sociétal. Parce qu'il y a là le poids de la société. Il y a parfois le poids de la religion. Oui. Ça, c'est un peu compliqué. Mais dans un cadre intellectuel, je pense que le principe qui prévaut, c'est d'oser se former surtout. Oui, surtout, oui. Si nous nous retrouvons en tant que femmes intellectuelles dans un monde intellectuel, je pense que dans ce cas, c'est à nous de jouer le rôle pour s'imposer. Donc, une représentativité des femmes, je le souhaite vivement. Mais encore une fois, il va falloir qu'elles-mêmes fassent leur propre promotion. Oui. Mademoiselle Kadiatou Kourouba Bardé, merci d'avoir répondu à notre invitation. C'est un plaisir. Chers téléspectateurs, ainsi prend fin cette émission. Comme vous l'avez constaté, on avait comme invité Mademoiselle Kadiatou Kourouba Bardé, journaliste, initiatrice du projet Weekend Lecture. Ainsi prend fin cette émission. Toutes nos excuses peut-être pour des petits soucis déjà rencontrés au cours de cette émission. Merci à l'équipe de la régie. Nous vous souhaitons une excellente suite de programme en compagnie, bien sûr, de Star 21 TV, la télévision du 21e siècle.